Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 194, juste avant la Gamescom. Et oui, la Gamescom, c'est la semaine qui vient. On va avoir plusieurs informations, dont Microsoft qui tiendra une conférence. Mais pour l'instant, en attendant, on a la News Gamer. Au sommaire cette semaine, Final Fantasy VII, Lego Dimension ou encore Dragon Quest XI. Nous vous parlerons aussi de Halo 5, Fallout 4 et Zelda. On vous passera au crible le reboot du film Les 4 Fantastiques. Nous vous passerons aussi au crible Tête 2, le retour de l'ours en peluche. Et on se quittera avec Meryl Streep. Pour les DLC gratuits de The Witcher 3, on ne se moque pas de vous. Vous avez déjà joué plus de 150 heures à The Witcher 3 et fini le jeu déjà 3 fois, et bien sachez que le New Game Plus sera bientôt disponible dans le jeu. CD Projekt Red le met gratuitement et ça c'est plutôt sympa. Et dans le sujet, des bonnes nouvelles pour Nintendo. Mafia 3 est officiel. Après avoir réservé des noms de sites web, 2K Games n'a pas résisté à la pression populaire et a lâché le morceau. On n'en sait pas beaucoup aujourd'hui, si ce n'est que le jeu sera officiellement présenté mercredi 5 août à l'occasion de la Gamescom. On a hâte de voir ce qu'on nous a concocté. C'est avec un grand étonnement que Square Enix a annoncé cette semaine l'arrivée prochaine de Dragon Quest XI. Le RPG, déjà très attendu par les fans de la licence, sortira sur 3DS, PS4 et Nintendo NX. Et oui, la prochaine console de Nintendo a déjà un jeu de prévu pour l'année prochaine. Malheureusement, aucune autre info n'a été dévoilée, il faudra donc attendre encore un peu pour en savoir plus. Nintendo se porte bien, merci pour eux. A l'occasion d'un rapport financier sur le premier quart de l'année fiscale 2016, on nous a appris que la Wii U avait dépassé les 10 millions de ventes. Les chiffres sont un peu moins bons que pour la même période en 2014, mais qu'importe, Nintendo en est content. Et puis Splatoon, lui aussi présent dans le rapport, est une réussite commerciale, ce qui va inciter le géant japonais à lancer de nouvelles licences. Vous le savez sûrement maintenant, nous aimons bien Lego Dimension. A chaque fois qu'il y a une information sur le jeu, on vous en parle. Cette semaine, Warner Bros. Nous a dévoilé un trailer intéressant pour son titre. Celui-ci parle du scénario. Rappelons tout de même que Lego Dimension touchera à plusieurs univers, dont celui de Doctor Who, Les Simpsons ou Batman. Batman ? Gandalf ? Nous sommes à la merci de cette étrange bête, et je sens qu'il ne faut pas lui faire confiance. Enfin, quelques précisions pour le remake de Final Fantasy VII. C'est vrai que depuis son annonce à l'E3, on était un peu dans le flou. On n'est pas complètement sorti du brouillard, mais on vient de nous allumer une lanterne en nous apprenant que le gameplay serait largement remanié tout en restant un RPG. Du coup, adieu les combats au tour par tour en face à face et bonjour, autre chose. Comme je l'ai dit, ce sont quelques précisions, mais elles ne sont pas pour autant d'une grande aide. On attendra les prochains mois pour en savoir plus. We would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. La mode du moment chez Ubisoft, ce sont les vidéos inutiles. Vous voulez connaître les avis de la presse concernant le prochain Ghost Recon? Eh bien regardez la nouvelle vidéo d'Ubisoft qui sert strictement à rien, on voit aucune nouvelle image. Enfin bref, encore un trailer qui va passer inaperçu. Et on retrouve Ubisoft dans le sujet à venir. Pour sa promo, WWE 2K16 s'est payé Arnold Schwarzenegger. Du coup, on a le droit à un remake de la scène du bar de Motard dans Terminator 2, et surtout, on aura le droit de jouer le Terminator si on précommande le jeu. C'est pas d'un grand intérêt, mais au moins c'est drôle. Si vous aviez déjà tout préparé pour jouer en coopération sur la même télévision à Halo 5, eh bien vous pouvez changer vos plans. En effet, 343 Industries a annoncé que le solo de Halo 5 a été développé pour être joué en coopération avec une IA ou d'autres joueurs. Et oui, on abandonne l'écran scindé pour mettre un mode multijoueur sans couture, c'est-à-dire sans interruption de partie. Quand on sait que la série est très jouée à plusieurs dans le même salon, c'est embêtant. On était prêt à croire en Halo 5, mais cette information n'est vraiment pas facile à entendre. Je te dis ça, pas parce que je te confie, Agent Locke.
Dès l'annonce de Fallout 4, les joueurs du monde entier se sont imaginés sur les modes les plus fous. Eh bien, Bethesda en a sûrement refroidi plus d'un cette semaine en annonçant que le moteur de création de modes ne sera pas présent les premières semaines de commercialisation. Du coup, le jeu ne supportera aucun mode pendant quelques temps pour laisser les joueurs apprécier le jeu de base. Une nouvelle qui est loin de faire l'unanimité. Quand Ubisoft n'a plus d'idées, ça se voit tout de suite. L'éditeur français a eu la drôle d'idée d'annoncer l'arrivée de zombies sur Next Gen et PC. Rappelez-vous le fameux jeu de survie sur Wii U sorti fin 2012 qui n'avait pas trouvé son public. 3 ans pour une simple remasterisation, c'est quand même un peu long. De plus, en termes de nouveautés, seules quelques armes viennent s'ajouter à l'arsenal. Bref, c'est une belle blague, mais heureusement, ce n'est disponible qu'en dématérialisation. Le nouveau Zelda sortira-t-il sur Wii U? On est en droit de se le demander après avoir découvert cette semaine une note des sorties de la console en 2016 sur laquelle ne figurait pas Zelda. Du coup, soit le jeu sort en 2017, soit il sort sur un autre support, comme peut-être la Nintendo NX. On attendra plus de précisions de la part de Nintendo pour se prononcer définitivement. Malgré la Gamescom, il y a quand même une sortie jeu vidéo la semaine prochaine, il s'agit de Rare Replay, mais comme c'est une collection, on ne vous la passe pas au crible, on va par contre vous passer au crible deux films, Les 4 Fantastiques et Tête 2, et sinon il y a aussi au cinéma, La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Les 4 Fantastiques, c'est une nouvelle adaptation au cinéma d'un comics de super-héros, et Tête 2, c'est le retour du célèbre ours en peluche qui veut devenir papa. Dans la série des héros Marvel, voici Les 4 Fantastiques. Pour un film de super-héros, on ne peut pas dire que le casting soit exceptionnel, mais pourquoi pas, ça change un peu des standards hollywoodiens. Tout d'abord, en termes de réalisateur, on retrouve un novice, Josh Trank. En termes d'acteur, là encore, la Fox n'a pas été chercher les personnes les plus connues. On retrouvera Miles Taylor, Kate Mara, Michael B. Jordan et Jamie Bell. Ça a marché ? Je sais pas encore. Le film des 4 Fantastiques se concentre sur l'histoire des 4 héros sans les inclure dans le marasme des Avengers, et c'est une bonne chose. On garde quand même le style super-héros avec des effets spéciaux à plus savoir quoi en faire, mais ils sont plutôt bien réalisés. Pas un film désagréable, et au moins un peu différent des productions actuelles dans le même genre. Vous avez percé le voyage transdimensionnel. Ensemble, vous changerez le cours de l'histoire. Le synopsis, quant à lui, ressemble à tous les scénarios de super-héros. Cette fois-ci, oubliez l'histoire du premier duo de films, la Fox a complètement tout réécrit. Nos héros trouvent leur pouvoir en inventant une machine capable de faire des voyages transdimensionnels. Bien sûr, c'est dangereux, et il leur arrive quelque chose, et comme d'habitude, un méchant se crée à cause de ça. Qui viendra sauver la Terre? Les 4 Fantastiques. Puisque les 4 Fantastiques sont 4, ils méritent bien 4 vaches sur 5. Je veux seulement guérir mes amis. On peut pas guérir ça, ni toi ni personne. Envie de rigoler en plein cœur de l'été? Allez donc voir Tête 2. Bonne nouvelle, cette suite est encore réalisée par Seth MacFarlane. Le célèbre réalisateur de comédie américaine n'a pas laissé sa place à un débutant, une bonne nouvelle qui assure presque un bon film. Mais sinon, en termes d'acteur, Mark Wahlberg est toujours là, mais Mila Kunis disparaît pour laisser place à Amanda Seyfried. Morgan Freeman fait même le déplacement pour donner des conseils. Et concernant la voix française de Ted, c'est toujours Joey Starr qui s'occupe de ça. Tu dis pas ça pour te foutre de moi, hein ? Je te jure que non, je pense que tu seras une mère qui assure méchamment. Ted 2 garde l'humour gras de son prédécesseur, et c'est une bonne chose. Certains se plaindront du manque de finesse, mais c'est là le but. On est sur une comédie américaine comme il y en a plein, mais une bonne comédie américaine. Et déjà ça, ça le place au-dessus d'un paquet de films. Je peux vous demander votre âge ? J'ai 26 ans. Ah. Pourquoi, c'est un problème ? Concernant le synopsis, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, mais au moins c'est original. L'ours Ted veut avoir un enfant avec sa compagne, mais c'est un ours en peluche, donc pas déclaré comme apte à avoir un enfant. C'est donc à ce moment que Ted va essayer de prouver qu'il peut être père avec l'aide de John, son ami d'enfance humain.
Les situations drôles s'enchaînent dans la surdité, ce qui offre un beau mélange. Tête 2 vous fera passer un bon moment et mérite bien 4 pages sur 8. C'est vrai qu'il serait canon le bébé. Tom Brady, l'athlète le plus fabuleux de tout le pays. On arrive à la fin de cette news gamer et si vous voulez nous retrouver ou retrouver toutes les infos de la Gamescom, il faudra aller sur total-gamer.com. Et oui, vous y retrouverez pas mal d'informations ainsi que du contenu en temps réel, on essaiera en tout cas, avec aussi un forum pour discuter. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et notamment pour bien préparer cette Gamescom, venez donc nous voir le lundi soir à partir de 20h30 chez jeuxvideostream.com, on sera en direct pour répondre à vos questions. Et sinon, on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Ricky and the Flash. C'est un film sur le rock'n'roll avec Meryl Streep et sa fille, et oui, Meryl Streep devient un peu roqueuse sur les bords pour aider sa fille dans des primes, enfin bref, un film un peu dramatique mais aussi drôle, une bande-annonce sympa. C'est pas forcément le meilleur truc qu'on vous a montré, mais c'est tout ce qu'on avait cette semaine et c'est pas si mal que ça, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine, salut, salut. Je suis Ricky Rendazzo et je voudrais vous présenter mon groupe Les Flash. Allô ? C'est impossible à joindre. En quoi je peux être utile ? Tu pourrais être là pour ta famille. Madame, vos bagues ? Merde. Ça, j'en ai besoin. C'est quoi le problème ? Je t'explique, maman. Je suis gay. On se marie pour catimini, maman. J'ai tenté de me suicider. Souhaitez-vous un apéritif ? Juste de l'eau pour moi. Ouais, moi aussi, de l'eau. Avec du whisky. On se laisse pas abattre. Mon psy m'a mise sous Effexor. Ça me rend colérique. Et anorgasmique. Tu as des orgasmes. Anorgasmique, à préfixe négatif. C'est du latin. Allez, monte ! J'ai jamais été conventionnelle comme maman. Ils ont dû la mettre sous traitement lourd, c'est clair. Il y aura beaucoup de changements dans ta vie. Et un beau jour, voilà que tu grisonnes. Mais c'est pas de la tête que je parle. C'était bien que tu sois venue. Parfois, une fille a juste besoin de sa mère. Je suis content que tu sois là. Et si tu n'y allais pas, j'ai ton psy, pour une fois, dis que tu es malade. Je suis malade. C'est pour ça que je vais voir un psy. Un cœur, il prend de l'âge, mais il ne change jamais. Les années 80 sont de retour. Hé, hey, où tu vas ? À la salle de bain. Évite juste de te suicider. I swear I lived